Bonsoir. Merci de te accueillir à l'IDE Grand École Philosophique de Zot. C'est avec un grand plaisir qu'il me peut adresser moi avec Zot Zodi et sous la dédicace de la chanson de Dadju, Lyon, me tenir à rendre hommage à ma femme, Kikuma Dadju expliqué dans ce santé, ben Lyon. Lyon, c'est un animal qui vit au continent africain et qui compte ce rôle d'animal. Lui, ce qu'il fait est simple, il est naturel dans lui, il peut protéger lui, il peut protéger ce troupe, il peut nourrir lui, il peut nourrir ce ban petit, ce ban les rois, mais lui-même qui vous mange en dernier. Cet animal-là, il a beaucoup de points communs avec la nature de beaucoup de femmes qui existaient dans le monde entier. Nous débrouillons pour nous. Et sa santé-là rend hommage à sa bonne femme qui est déterminée pour faire l'avancement de notre famille. Bon, et tout encore bienvenue à l'émission à l'école philosophie pour l'annonce de la bonne nouvelle qui nous peut faire pour 2019. Donc, le continent d'Afrique nous apprend beaucoup. Déjà, c'est la même berce de l'humanité. Et que le berceau de l'humanité, c'est un cadeau qui tout du monde n'a, être humain. Zodi, femme, zom, femme, n'est plus qu'un autre rôle. À travers le monde entier, ça n'a pas 10. Je peux dire ça dans le cas, Zodi. À travers beaucoup de pays, ce problème-là peut lever un problème social. Que tu disais, un gender equality à ce parce qu'il nous perdit le sens qui était être humain et qui nous rôle en tant que femme, surtout. Le rôle de la femme, l'inaturel, ça. Tout du monde qui comprend ce qu'il me peut dire ou ce qui pas comprend, capable d'apprendre qui veut dire être sa femme, là. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il nous propose, nous, au niveau élection. Général, on est indépendant. C'est un choix et une décision pour qui fait la circonscription numéro 18, capable d'une première circonscription qui pousse une femme devant et qui amène ça l'esprit d'unité, une société, pour donner naissance justement à une société côté dans la justice. L'égalité et la prospérité pour tout le monde. Nous arrivons à une stade que nous n'avons plus un choix. Nous pays vraiment en danger et que nous pouvons faire appel. Et c'est le moyen qui bien fait lui, c'est pas les élections. La loi existait pour tout le monde, mais des fois, elle n'est pas appliquée pour tout le monde. Quand l'école philosophie se dévoile, premier, c'est passe. Connaissance à l'autre. Nous apprenons beaucoup de choses ces dernières années et que nous dévoilons ces portes avec eux. Depuis nous retournons depuis New York, nous pensons qu'elle est en même faire passer ce message, nous gagnons l'élection et comment nous avons dit en action, parce que nous sommes activistes internationaux aujourd'hui, nous rentrons dans l'action. C'est une chance sur 1 million qui ne pas pourrait gagner encore. Pour ça que nous payons. Zodi m'a fait un appel à ma femme circonscription numéro 18. Tous les jours, chacun que nous se connaît, comment il est veillé au travail, il travaille. Avant il travaille, il faisait passeport circulation. Vous connaissez sa circulation-là. Rentre dans sa bis-là. C'est qui conduit que nous se connaît. Chacun que nous se misère avant d'arriver dans ce lieu de travail. Dans ce lieu de travail, c'est la journée pour dérouler les lits. Quand retourner en cours circulation, puis manger, guette famille, faire ce qu'il a pour faire avant de dormir, recommencer. Ça, c'est une routine que tout le monde connaît. À cette bande, ce qui pas travail, qui peut faire que pour gagner, c'est tous les jours un casse-tête infini qui ne pas connaît, capable de tenter pas pour y aller, là. Ça, c'est ici, là. Mais aujourd'hui, je décide
avec support quand l'école philosophie. Mettez un défi. Mettez un défi, pas pour moi, non. Parce qu'en tant qu'indépendante, c'est difficile ça. Elle bat tout ça dans un grand parti là, qui prétendent depuis 5 ans, 51 ans là, Périne sauve nos pays, puis amène-nous là-haut pour rendre nous service. Comme il cas qui peut passer tous les jours, mots impensables. Ou pas pour faire long discours. Vous pouvez dire, faites autre connaître qu'ils ont dit. Nous dans l'élection. Indépendante. Je m'appelle Marie-Michèle Dominique Pierre. Mon numéro 28. Mon symbole pour Grand École Philosophie, c'est le continent Afrique. Justement pour faire rappel que le berceau de l'humanité, il trouve dans l'Afrique. Maurice, c'est un pays africain avant tout. Qui veut dire être africain? Beaucoup de monde gain, ça comprend là. Monéloène, place africaine, ça même. Non, et pas que ça. La culture africaine apporte dans l'autre la joie. Elle l'envie vive, partager, être heureux, vivre en paix. Pas juste amuser, non. Les bien différents, les disent tam tam, non. Mais pas juste faire une affaire, mais vivre, vous autres, vivre. La femme, elle a sa beauté là. Elle a sa lumière qui, tous les jours, est capable de lever, apporter la joie en plus, parce qu'il y a la création dans lui. Il se dévoue avec ce rôle, protège ce pays. Il se dévoue avec ce rôle, amène manger dans la case. Pendant 51 ans, nous vivons une société qui appelle patriarcale. Veut dire, hommes là-haut, qui décide tout ce qui peut arriver. Femme est à sa place. Femme pas ne faire ce rôle. Jusqu'à aujourd'hui, femme pas n'amène ce rôle. Il pas une affaire discrimination, homme pour femme là, non. Viennent remettre en place une société africaine, matriarcale, contre l'humanité, contre la femme n'y trouver égale à l'autre, parce que toute femme créatrice porte sa la lumière là dans le lit. Mais pose-moi le numéro 18 pour simplement rappel à toute bonne femme. Je ne peux pas voter tout grand parti. Mais il n'y a aucune garantie qui dans 10 ans, dans 15 ans, j'ai des enfants pour protéger. Mais aujourd'hui, si la connaissance capable d'amener un soulagement dans notre pays, est-ce qu'ils peuvent laisser y aller? Ça, c'est une question qui posait à Banyan, qui défend la case, grand-mère jusqu'à tantôt et tous les jours. Ça, c'est une question qui fait du monde réfléchir. Est-ce qu'il me capable de faire confiance encore à Banjimoun qui pendant 51 ans et des années encore avant, ban récit, met un pays droit, que nous tout manger bon, que pas un enfant qui reste sans manger. Peu importe qui dit maman ou pas maman, qui dit belle-mère ou pas belle-mère, jamais une femme pour laisser un enfant mort sans manger. Faut pas dire qu'ils n'ont pas pour faire lui, mais en tant qu'il y a un rôle, justement, ce rôle-là, pas pour capable de dire ça petit là, pas pour moi. Ça n'a là pour moi. Tout petit pour nous là. S'il y a 5 papas différents, 5 sacs enfants là pour nous là. Mais dans une société patriarcale, qui était ça? Si toi tu as 4 enfants, moi j'en ai un, ça pour moi, moi pour guetter ce qui pour moi, 4 là pour rester sans manger. C'est pas sa société là qui nous l'est. Dans l'île Maurice, nous avons plaisir, couleur. Maintenant, ce noir, ce blanc, ce jaune, ce vert, ce tout couleur, ce rouge, des zones vertes, tout couleur est là. Et c'est ça le message. Ce qui nous apporte aujourd'hui une justice pour tous les enfants qui le vivent au pays Maurice là. Et c'est le devoir de la circonscription numéro 18. Donne le ton aux autres. Donne le ton à ben, les autres femmes. Pour dire aux autres, unir. Pas juste pour faire révolution, non. Mais pour bouleverser Maurice. Faire lire à Nicomte. Nous avons nos devoirs, nous avons nos rôles, nous avons nos places, ce qui va nous mettre nous. Mais nous avons nos rôles. Le slogan me mettait première femme, premier ministre. Mais moi, pour dire autre une affaire, qui personne pas pour dire autre. Je qui premier ministre dans la case. C'est simple ça. Quand j'ai autre la case, connais qui problème est là, soulever lit, de manger tout du monde, nettoyer, ça c'est autre.
Personne pas pour dire zut. Zut amènera le premier ministre code zut. C'est ça être premier ministre. C'est capable de gérer les affaires du pays. Et aujourd'hui, je crois dans mes capacités, connaissances qui m'ont et que la force, courage, l'énergie qui me prend, l'engagement qui me prend pour défendre mon pays, pour défendre toute femme, tous enfants, tous hommes, citoyens, l'île Maurice. Territoire, l'île Maurice. Ça, c'est mon devoir et mon engagement pour ça. Même si je ne traverse pas l'élection, pour moi, ce n'est pas un problème. Parce que avant l'élection, je peux faire ça. Pendant l'élection, je peux faire ça. Même après, si je peux faire ça. Ça, c'est mon devoir. Quand l'école philosophie accompagne nous ensemble dans sa partage de connaissances-là, exaudi, nous encourage, donne Maurice naissance à une nouvelle société. Donne Maurice ce sens. Vive, être heureux, enfin. Donne leçon à les autres pays qui amènent fait avant. Fais en sorte qu'ils nous payent, développer, non seulement l'autre côté, à plus vite qu'un métro, non, des côtés humains, qui nous dignité, chaque être humain respecté. Et là, pas pour une personne qui est capable embête nous, couillonne nous et fait nous croire ce qui nous pas été. On répète ça assez souvent, parce qu'il y en a beaucoup qui se qui finissent cachés dans nos pays. Et quand on trouve la vérité, c'est difficile pour digérer. Mais la résilience, c'est une façon, une valeur de vie qui nous dit il y a un problème là. D'accord? Qui nous fait pour sortir de ce problème-là, pour nous avancer. Nous apprendre de nos leçons, mais nous pour avancer. Nous pour avancer ensemble, parce que nous sommes une seule, répète, une seule nation. Et puis, il y a personne qui a donné naissance. Une société, s'il n'est pas une femme. Avec Zut, circonscription numéro 18, peut-être moins tôt, pour mettre la foi dans appel femme, mais aussi moins à raison, qui même si pas aujourd'hui, il peut arriver. Numéro 18, capable de donner leçon l'île Maurice. Et s'il peut donner leçon l'île Maurice, il est capable de donner leçon le monde entier. Il commence par Zut. Mais là, pour servir Zut, servis-moi. Je vous souhaite Zut une bonne soirée. Merci. Au revoir.